Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Nos mensonges, écrit par Louise Douglas, publié chez les éditions Milady. D'ailleurs, je tenais à remercier cette maison d'édition de me l'avoir envoyé en partenariat avec le blog de Ninang.com. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ma chronique écrite sur le blog de Ninang.com très prochainement. De quoi parle ce livre? Ici, nous allons suivre une femme qui s'appelle Anna, qui est âgée, selon moi, entre 30 et 40 ans et qui travaille dans un musée. Elle est passionnée par l'histoire. Elle a toujours voulu travailler dans un musée historique, donc chose faite, et donc elle est ravie de son métier. Et l'histoire commence lorsque, un jour, ordinaire, hein, après tout, elle va au musée, elle travaille, et puis en allant chercher quelque chose dans les réserves, il me semble, elle a l'impression d'apercevoir son ancienne meilleure amie de l'adolescence qui s'appelait Hélène. Sauf que, bah voilà, ce n'est pas possible parce que Hélène, eh ben, elle est morte noyée il y a déjà une bien vingtaine d'années. Et du coup, ben, pour Anna, ça devient le flou total dans sa tête parce qu'elle est persuadée d'avoir vu Hélène face à elle ce jour-là, mais elle se dit que ce n'est pas possible. Et donc, l'histoire commence à ce moment-là. On aurait tendance à croire qu'Anna est un personnage de fiction ordinaire, or ce n'est pas le cas du tout, puisque Anna a un passé assez sombre et assez douloureux. Elle n'a jamais supporté le fait de perdre sa meilleure amie d'enfance, elle n'a jamais fait le deuil d'Hélène, donc ça a toujours été une période difficile pour elle, au point d'avoir quand même des hallucinations. Elle avait l'impression qu'Hélène était là avec elle, elle lui parlait, elle jouait avec elle, alors qu'elle était décédée depuis quelques années déjà. Et du coup, Anna a été carrément internée dans un hôpital psychiatrique pour régler ses problèmes psychologiques. Et donc tout au long du roman, on va chercher à savoir est-ce que Anna a réellement vu Hélène ce jour-là au musée ou c'est encore une de ses hallucinations qui viennent hanter Anna. Et si c'est une de ses hallucinations, pourquoi ces hallucinations hantent autant Anna alors que Hélène est décédée déjà depuis plus de 20 ans et que à chaque fois le passé refait surface. Le point fort de ce roman, c'est qu'il est très bien rythmé. À aucun moment je me suis ennuyée, à aucun moment j'ai trouvé le temps long en compagnie des personnages qui ont été mis en place par l'auteur. Et justement, le deuxième point fort du livre, ce sont les personnages forts en caractère. On peut voir que Louise Douglas a très bien développé et très bien travailler ses personnages. On peut que s'attacher à cette pauvre Anna qui a une vie assez compliquée avec des problèmes psychologiques. Elle n'a jamais pu faire le deuil de sa meilleure amie. Et c'est pas facile quand même. Et puis quand on retourne dans le passé et qu'on voit l'amitié qu'entretenaient Anna et Hélène, on se dit qu'elle n'a pas eu la vie toute rose non plus, cette pauvre Anna. Ensuite, au niveau d'Hélène, c'est vraiment un personnage phare du roman que j'ai pas vraiment pu cerner. Un coup je l'aimais, un coup je la détestais. Je trouvais que parfois elle avait un comportement de peste avec Anna. Elles avaient beau être meilleures amies, je trouvais qu'elle prenait Anna pour sa boniche, pour son chien, à faire les mauvaises choses qu'elle ne voulait pas faire, justement. Et le personnage qui m'a mis le plus mal à l'aise dans l'histoire, c'est le père d'Hélène. Au début, vous pouvez être que charmé par cet homme. Il est séduisant, élégant, charmant, gentil, etc. Vous dites que c'est un homme parfait. Et puis, au fur et à mesure de votre lecture et que vous tournez les pages, vous pouvez plus vous l'encadrez. Il devient le méchant de l'histoire, le vicieux, le pervers, le fin. Oh, il me mettait mais mal à l'aise et c'est assez hallucinant que l'auteur puisse mettre le lecteur mal à l'aise en lisant une histoire avec un personnage quand même secondaire dans le roman. Et ça m'a même fait oublier l'intrigue de l'histoire et ça m'a même fait tromper de piste, j'ai envie de dire. J'arrivais plus à savoir ce qui était vraiment arrivé à Hélène pour qu'elle soit morte noyée, en fait. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, mais en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un roman que je recommande fortement, avec lequel j'ai quand même passé un agréable moment de lecture. Si vous voulez vous sentir mal à l'aise en lisant une lecture assez, j'allais dire assez atypique, mais au final non, parce que c'est une histoire assez ordinaire. Vous allez vous poser des questions sur ce qui a pu arriver à Hélène, pourquoi elle est morte noyée, est-ce que tel et tel personnage sont responsables de cette mort ou non. Et en fait, tellement que les personnages sont très bien travaillés, vous allez sans cesse vous dire qu'il peut se cacher quelque chose en dessous de ces personnages et vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, je lui ai mis 18 sur 20, il ne fait pas partie de la catégorie coup de cœur. Mais c'est pas loin, je vous promets que l'auteur m'a vraiment surprise. C'est le premier roman de Louise Douglas que j'ai pu lire. Je ne sais pas si elle a fait d'autres romans ou non, mais s'il y en a d'autres, eh ben, comptez sur moi pour les lire parce que franchement, j'ai été vraiment étonnée par ce roman.
Je ne pensais pas être autant transportée par ce roman, mais voilà. Après, j'ai une petite citation à vous lire concernant l'amitié. C'est à ce moment-là que je compris ce que signifiait avoir une amie. L'amitié, c'était de se dresser pour défendre les gens qu'on aimait. C'était être courageux et ne pas faire semblant de ne pas voir quand l'autre avait des ennuis. Voilà. Donc c'est avec cette citation que l'on va finir cette vidéo. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et si vous l'avez autant apprécié que moi, ou même si vous comptez le mettre dans votre wishlist. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!